Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré de faire la seconde partie de mon enseignement dont le thème est la puissance de la vapeur qui provoque la pluie qui change les temps et les circonstances. Gloire à Jésus. Et comme vous le savez tous, nous devons prier avant de commencer. Prions. Éternel mon Dieu, c'est toi qui es l'alpha et l'oméga. Seigneur, je prie que ce moment, Seigneur Jésus, te soit dédié. Je prie que ta présence se manifeste puissamment. Seigneur Jésus, que les cœurs soient édifiés. Que les vies, Seigneur Jésus, soient, Seigneur Jésus, converties par ta parole au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Papa, que ton esprit qui est la puissance qui convertit les cœurs, qui amène les vies, Papa, oui, à toi. Parce que tu me dis que dès que tu ne seras plus sur la terre, que ton esprit attirera toute personne, tous les hommes à toi. Je prie, Papa, que lors de cet enseignement, que ton esprit attire ceux qui t'appartiennent au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie que tout esprit, Seigneur Jésus, oui, qui ne glorifie pas ton Saint-Nom, Papa, soit menacé au nom de Jésus. Je prie, Papa, oui, que suite à cet enseignement, que là où il y a le manque, la famine, Seigneur Jésus, oui, la pauvreté, Seigneur Jésus, là où il y a l'eau ne tombe pas dans l'un des domaines des vies, Seigneur Jésus, que la pluie tombe désormais au nom de Jésus dans ces domaines. Seigneur Jésus, merci, que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. La dernière fois, dans la première partie de mon enseignement, j'avais dit que la vapeur symbolise la prière. Alléluia. La vapeur symbolise la prière et la pluie représente en réalité les ossements. La pluie représente également la bénédiction. La pluie représente également la parole. La pluie représente également l'onction du Saint-Esprit. La pluie représente également la personne de notre Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Et dans cette première partie, nous avons dit que au commencement à la création, que selon le livre de Genèse 1:1, la Bible dit Dieu créa au commencement. Nous pouvons le lire. La Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand Dieu a créé les cieux et la terre, c'est suite à la parole que le Seigneur a déclaré que la terre et les cieux ont existé. Et nous voyons que dans le livre d'Ésaïe 48, le verset 13, la Bible nous a dit clairement que Dieu a fondé la terre par sa main droite et par sa main, et il a fixé les cieux par sa droite. Gloire à Jésus. Il dit, je les appelle et aussitôt, ils se présentent. Donc nous voyons que Dieu a appelé le ciel, il a appelé la terre et aussitôt, eux deux se sont présentés. Gloire à Jésus. Mais quand Dieu a fini de créer le ciel et la terre, la Bible va nous dire qu'il y a une ténèbre qui a couvert toute l'étendue, en tout cas la terre entière. Donc, après que Dieu a déclaré, a travaillé, premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'à finir le septième jour, nous voyons que la Bible va nous dire dans le livre de Genèse chapitre 2, parce que c'est le passage sur lequel on est en train de démystifier la parole, on est en train d'expliquer notre thème qui est la puissance de la vapeur qui provoque la pluie, qui change les temps et les circonstances. Gloire à Jésus. Nous pouvons relire également, nous pouvons relire Genèse 2, le verset 5 à 6. Genèse 2, verset 5 à 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Amen. Donc, la Bible dit, quand Dieu a fini de créer les cieux et la terre,
des arbustes et aucune des herbes n'est encore germée. Et la raison pour laquelle ni les arbustes ni les herbes ne sont pas encore germées sur la terre, la première raison est que Dieu n'a pas encore fait pleuvoir sur la terre de la pluie. Dieu n'a pas encore mis quelqu'un sur la terre pour cultiver la terre. Gloire à Jésus. Par la grâce de Dieu, nous saurons qui est digne de cultiver la terre et de le garder. Gloire à Jésus. Qui est digne de cultiver le jardin d'Éden et aussi de le garder. Donc, dans ces détails, on nous a parlé de la vapeur. Le verset 6, autant pour moi. Le verset 6, on nous a parlé d'une vapeur. Lisons le verset 6 au nom de Jésus. Verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Gloire à Jésus. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Amen. Gloire à Jésus. Donc la Bible va nous dire que mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Dans la révélation, nous disons que la terre représente toute la planète et le sol représente cette partie que Dieu a mise à part qui définit le jardin d'Éden. Parce que l'homme est sorti de la poussière, l'homme est fait de la poussière. Or, la poussière, c'est... la poussière peut sortir de toute la planète de la terre. Vous-même, vous le savez, nous le savons tous que la poussière, c'est sur la terre. La poussière que Dieu a utilisée pour façonner l'homme, il a pris ça sur la terre. Amen. Et quand je parle du sol ici, en réalité, c'est un peuple que Dieu a mis à part. Le sol représente le jardin. Dans la révélation, le sol représente le peuple d'Israël, c'est-à-dire, voilà le peuple d'Israël, gloire à Jésus. Donc, j'avais dit que cette vapeur qui se levait pour arroser le sol, en réalité, définit l'onction de la puissance de la prière. Représente également l'homme de Christ, représentant également l'être de Christ qui arrosait la terre. Pourquoi? Parce que c'est quand Dieu a déclaré les choses sont existées autant pour moi. Et quand ces choses puissent exister, l'homme de Christ, qui est l'esprit de Christ, représente cette vapeur qui se levait. Parce que c'est Christ qui est la première personne, c'est-à-dire dans le monde spirituel, qui a élevé sa voix vers le ciel. Gloire à Jésus. Et quand il a élevé sa voix, la Bible dit, quand cette vapeur se lève, la dernière fois j'avais utilisé quelques vérités scientifiques, et le livre de Job nous a dit que il charge les nuages et les nuages maintenant laissent la pluie tomber. Et ces vérités scientifiques que j'avais démontrées, j'avais dit que quand la vapeur sort de la terre, c'est la chaleur qui sort. Et cette chaleur qui sort charge maintenant les nuages. Et quand les nuages seront chargés, ça va produire maintenant de pluie. Et la pluie maintenant va descendre pour arroser la terre. Donc, remarquez que pendant ce moment que la vapeur se levait, la Bible dit que la vapeur se levait pour arroser la terre. Non, ce n'est pas la vapeur n'est pas la pluie. C'est la vapeur qui s'élève d'abord. Et quand la vapeur va s'élever, la vapeur maintenant va provoquer les nuages. Et quand les nuages seront chargés, c'est là maintenant les nuages vont lâcher la pluie tomber afin que la terre soit arrosée. Et nous avons dit que quand la rosée ne tombe pas, les herbes ne vont pas pousser. Les arbustes aussi ne vont pas germer. Et quand les herbes ne poussent pas et que les arbustes ne poussent pas, alors il n'y a pas de la nourriture. Et quand il n'y a pas la nourriture, nous disons qu'il y a la famine. Quand il y a la famine, il y a quoi? Il y a la mort. Peuple de Dieu, il y a la mort. Et j'avais dit, de la même manière que il n'y a pas
la pluie ne tombait pas. De la même manière que il n'y avait pas abus et aussi des herbes, de la même manière dans les vies de ceux que, qui disent chrétiens, qui disent qu'ils aiment le Seigneur, la pluie, tant que la pluie ne tombe pas dans leur vie, il y en aura de la famine. Les herbes ne vont pas pousser. Les abus ne vont pas pousser dans la vie. Et quand il y a pas, quand les herbes ne poussent pas dans la vie, quand les abus ne poussent pas dans la vie, alors il y aura la famine. Et quand il y a la famine dans la vie, ça va les conduire à la mort. Donc là, si, sans la, quand la mort se remarque dans l'un des domaines de votre vie, c'est parce que la pluie n'est pas encore tombée dans votre vie. Et j'ai dit que ce n'est pas Dieu même qui va provoquer la pluie sur toi. Non. Ce n'est pas Dieu qui va provoquer la pluie. C'est toi-même qui va élever la vapeur qui définit la prière. Et quand la prière va se lever, c'est lui qui va charger maintenant les nuages. C'est lui qui maintenant qui va provoquer les bénédictions, gloire à Jésus, qui va provoquer la pluie dans ce domaine de ta famille, afin que la vie y ait, afin que les herbes poussent, afin que les arbustes poussent, gloire à Jésus, après avoir été arrosé par la pluie que tu vas provoquer. Et c'est là nous avons dit que c'est quand la pluie vient que les champs, les temps et les circonstances seront vraiment modifiés dans ta vie. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, nous allons continuer vraiment et l'enseignement. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler sur la personne de notre Seigneur Jésus qui est digne de garder le jardin d'Éden et de le cultiver. Gloire à Jésus. Et nous allons lire le livre de Genèse 40. Genèse 40, le verset 4 à 7. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passaient un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le premier roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien. Pouvant recevoir une explication distincte. Amen. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda. Et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Oui, continuez un peu. Verset 8. Jusqu'à verset 16, comme ça. Il lui répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Amen. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Alléluia. Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échanges raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins. Je les pressai dans la coupe de Pharaon. Et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les trois sarments sont trois jours. Encore trois jours et Pharaon relèvera ta tête. Et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais dans lorsque tu étais son échanson. Verset 14. Amen. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Amen. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panassiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille, verset 17, dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Verset 18. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les trois corbeilles sont trois jours. Encore trois jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi. Amen.
te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Amen. Voilà un peu l'histoire que ce passage nous conte. Nous voyons que ici, il s'agit d'un certain Joseph que vous connaissez mieux que moi-même, parce que les Écritures en ont parlé beaucoup sur lui. Gloire à Jésus. Donc, je vais aller un peu en arrière. Nous savons que Joseph fut un fils aimé de son père. Amen. Et son père lui avait fait une chemise de plusieurs, bien un vêtement de plusieurs couleurs. Et ce vêtement de plusieurs couleurs que son père lui a accordé, ce vêtement, nous disons que c'est Dieu qui a inspiré à son père de lui accorder ce vêtement. Et quand il lui a accordé ce vêtement, la Bible va nous dire que Joseph maintenant a commencé par avoir des songes. Il a eu le premier songe, il a narré à ses frères et à son père. Il a eu le second songe, il a narré à ses frères et à son père. Et ses frères maintenant se sont mis en colère contre lui. La Bible a dit, à l'âge de 17 ans, David et Joseph, autant pour moi, accompagnaient ses frères pour aller paître le troupeau avec ses frères. Donc, à un moment donné, ses frères qui avaient entendu les mystères qu'a caché les songes de Joseph, ils étaient en colère. Donc, c'est là qu'ils vont arracher ce vêtement. Et quand ils vont arracher ce vêtement, c'est là maintenant ils ont tabassé. Ils l'ont vendu, gloire à Jésus. Et quand ils l'ont vendu, Joseph s'est séparé de ses parents. Au retour, les frères sont venus avec le vêtement. Or, sur le vêtement, ils ont vu qu'il y a du sang. Ils ont dit à leur papa que voilà, que son père et son enfant aimé n'est plus. Mais son père ne croyait pas. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais dire? Nous voyons que Jacob lui-même étant un homme de prière, et la Bible va nous dire que Jacob, il est allé dormir quelque part, selon le livre de Jérémie 28, le verset 12. Et là où il est dormi, il a dormi autant pour moi, qu'il a vu dans son songe que les anges ont descendu par une échelle et sont montés également par une échelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé là est que David et Jacob, autant pour moi, est quelqu'un qui aime la prière. Et quand il prie là, la vapeur montait. Et quand la vapeur est montée, c'est là la vapeur va provoquer maintenant la descente des anges, gloire à Jésus, pour que lui voit ce qui se passe spirituellement. Et nous voyons que Jacob a prié sur ce lieu. Donc, cette relation que Joseph et Jacob, autant pour moi, a eue, Dieu va lui inspirer de faire ce vêtement à son frère, à son enfant, Joseph, gloire à Jésus. Donc, quand Joseph a eu ce songe, ces deux songes, après, nous n'avons plus entendu dire que Joseph a eu encore d'autres songes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Joseph n'a pas eu, on ne nous a pas dit qu'il a eu d'autres songes. C'est parce que Joseph, il a grandi. Gloire à Jésus. C'est parce que Joseph, il a grandi. Parce que quand il livre ses songes, il est persécuté. Quand il livre ses songes, il est dérangé. C'est là que Joseph va se retrouver en Égypte. Supposons que Joseph est quelqu'un qui ne comprend pas la langue des Égyptiens et il est allé là-bas. Quelle relation il va développer? Avec qui, autant pour moi, il va développer une relation? C'est avec le Seigneur. C'est avec Dieu. Donc, la présence de Joseph en Égypte a provoqué une pluie, gloire à Jésus.
Et quel est cette pluie qui a été provoquée par Joseph? Quand Joseph s'est retrouvé en Égypte, Joseph, la relation que Joseph a, c'est avec Dieu. Donc Joseph priait seulement. Joseph priait, son intimité, c'est avec le Seigneur Jésus. Son intimité, c'est avec le Seigneur Jésus. Sa relation avec Dieu. Il priait. Il a demeuré dans la prière. Et parce qu'il a demeuré dans la prière, c'est là maintenant, il va provoquer les nuages. Les nuages sont chargés par la vapeur. Mais je dis que tu es sorti de la poussière. La chaleur doit sortir de ton corps. La chaleur doit sortir de toi. Et cette chaleur, c'est la puissance de la prière. Et cette chaleur doit provoquer la vapeur pour charger les nuages. Gloire à Jésus. Donc, quand Joseph va se retrouver dans la prison, il te dit, les païens qui se trouvent avec Joseph dans la prison, nous disons peut-être que Joseph n'a pas encore eu d'intimité avec ses frères ou bien les panetiers et les chansons. Mais il parle parce qu'il a été établi maître ou bien chef sur eux. Gloire à Jésus. Donc, la prière de Joseph dans la prison, la relation que Joseph a développée avec Dieu dans la prison a provoqué quoi? La pluie des songes dans la prison. Et c'est là, Joseph lui-même savait. Parce que Joseph a été aussi averti. Et il sait que lui ne pouvait pas livrer ses songes. Gloire à Jésus. Donc, la prière, la relation que Joseph a développée avec Dieu dans la prière a provoqué maintenant la pluie des songes afin que les problèmes de ces personnes soient réglés. Gloire à Jésus. De la même manière, je vais te dire, ta présence dans un quartier, en tant que chrétien, si tu pries, c'est en cela que tu vas provoquer les songes dans les vies. Mais eux ne pourront pas, les païens qui sont alentour de toi, les païens qui ne connaissent pas Dieu, ne pourront pas comprendre les choses cachées de ces songes. Ils vont dire, bon, moi j'ai eu un songe, ce songe est bizarre, je ne comprends pas. Dans ton travail, dans ton service, ta présence, parce que en tant que chrétien que tu es, les prières, ta relation avec Dieu, dans la prière, la vapeur que tu montes au ciel, va faire pleuvoir des songes. Et c'est là, eux, ils ne pourront pas comprendre les choses cachées de ces songes. Tu vas entendre, moi j'ai eu un songe, je ne comprends pas. Ils ne pourront pas comprendre. Qui sont ceux-là qui peuvent comprendre les songes et les choses cachées? C'est celui qui a une intimité avec le Seigneur. C'est celui qui prie, qui reçoit les révélations. Gloire à Jésus. Donc nous voyons que c'est là, David et Joseph va poser la question à la première personne qui a été serviteur de Pharaon. Donc, il va narrer son songe. Joseph va lui expliquer. Le panetier aussi a fait son songe. Joseph va lui expliquer. Et quand eux deux sont sortis, c'est après, plus tard, dans le livre de Genèse 41, on nous a parlé du roi Pharaon. Lui-même a eu un songe et il ne maîtrise pas les choses cachées derrière ce songe. C'est la présence de qui a fait que le roi Pharaon a eu ce songe. Je vous dis, en vérité, c'est la présence de Joseph en Égypte qui a fait que le roi a eu ce songe. Gloire à Jésus. Donc, la relation de Joseph avec Dieu en Égypte a fait que Dieu a délivré les Égyptiens de la famine. Vous voyez? Donc, Joseph était cette personne qui provoquait la vapeur. Et cette vapeur qu'il dégageait, gloire à Jésus, cette vapeur a chargé les nuages. Et c'est là, les nuages ont libéré ce songe. Et dans le songe, nous voyons que il y a sept ans, le songe de Pharaon, bien sûr, il y a sept ans de famine qui se prépare, sept ans
de moments où il y aura de la nourriture. Mais il faut que les 7 ans où il y aura de la nourriture précèdent d'abord les 7 ans où il y aura la famine. Si ce n'était pas que Joseph est sur ce territoire, peuple de Dieu, nous disons que Pharaon et son peuple seront exterminés parce que, à grand jamais, eux ne seront pas que après les 7 ans où il y aura pollution, après aux 7 ans, il y aura famine. Mon bien-aimé, la famine, la manque, la sécheresse que tu remarques dans l'un de domaines de ta vie, mon bien-aimé, c'est à toi de provoquer la vapeur. Je le dis, ce n'est pas Dieu qui va faire pleuvoir la pluie sur toi. Il faut que toi, tu sois provoqueur de la pluie sur ta vie. C'est très important. C'est très important. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il faut que tu le saches dès maintenant. Si tu sens la sécheresse, tu sens le manque, il faut savoir que la mort est dans ce domaine de ta vie. Parce que les herbes ne sont pas poussées. Parce que les arbustes ne sont pas poussés. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas encore, Dieu n'a pas encore fait pleuvoir sur ces domaines. Dieu n'a pas encore arrosé ces domaines. Mais il faut nécessairement un homme qui va cultiver afin que la rosée tombe. Si un homme comme toi, gloire à Jésus, si un homme comme toi ne lève pas la voix pour provoquer la pluie, la famine va exister. La sécheresse va exister. La mort va exister. La vie va manquer ce domaine de ta vie. Moi, je ne connais pas ce domaine de ta vie où toi, tu sens le manque, la mort. Gloire à Jésus, c'est très important. Donc, lisons les livres de Genèse chapitre 3, le verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est là la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Amen. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Gloire à Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. Nous voyons dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset et 18 à 19, que ici c'est l'Éternel qui a pris la parole et il parle. Il est en train de maudire la terre. Il dit, il te produira des épines. La terre te produira des épines et des ronces. Et tu en mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Gloire à Jésus. Et nous voyons que cette malédiction que Dieu a prononcée en ce jour, cette malédiction que Dieu a sortie en ce jour, la terre a reçu cette malédiction. Et la manière dont la terre doit produire son fruit, parce que Dieu l'a dit, ça doit s'accomplir. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé et cette malédiction est retombée sur la terre? C'est à cause du péché de Adam. Parce qu'il a obéi à sa femme. Le fait qu'il a obéi à l'ordre de sa femme ou au fruit que sa femme lui a amené, c'est ça qui a causé la malédiction. De la même manière, le péché ouvre la porte à la malédiction sur ta vie. De la même manière, le péché ouvre la malédiction dans l'un des domaines de ta vie. Gloire à Jésus. Mais l'espérance se trouve en Jésus. J'aimerais te dire que l'homme qui est digne de garder le jardin, afin que les ronces n'hésitent pas, afin que les herbes, les mauvaises herbes n'hésitent pas, l'homme est déjà arrivé. Et il agit aujourd'hui et veut agir dans ta vie. Gloire à Jésus. Donc, nous allons lire le livre d'Ésaïe 55, le verset 10. Le verset 10. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen.
comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Ici, la Bible dit, de la même manière que la pluie tombe et arrose la terre, ainsi est la parole de l'Éternel. Si ça sort, ça accomplit la volonté de Dieu. Là, j'avais dit que la pluie représente la personne de notre Seigneur Jésus qui est descendu. Et la parole qui s'est fait chair, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Parce que sur la terre, il y a de la famine. Parce que sur la terre, il y a le manque. Parce que Dieu n'a pas encore fait pleuvoir sur la terre. C'est parce que il n'y a pas un homme pour garder et cultiver la terre. Donc, quand le moment prévu est arrivé pour que la pluie vienne, c'est là que le Seigneur Jésus a pris maintenant corps et il est descendu. Mais avant cela, qui a provoqué la vapeur pour que la bénédiction qui est la personne de notre Saint Jésus, c'est-à-dire la pluie qui est la personne de notre Saint Jésus, ne vienne. Gloire à Jésus. Nous voyons que à la création, quand Adam est tombé dans le péché, il y a une voix qui est descendue. La Bible, la voix a parcouru le jardin. C'est cette voix qui s'est levée. Et cette voix qui s'est levée, c'est la vapeur qui s'est retournée à notre Créateur. Et quand nous venons dans le livre de Exode 3, des cris des enfants d'Israël montaient au ciel. Et le Seigneur, il est obligé de descendre. Gloire à Jésus. Il disait que le jardin représente un peuple séparé. Il disait, ce peuple séparé, c'est le peuple d'Israël. Gloire à Jésus. Donc, quand cela montait, les cris des enfants d'Israël montaient, c'est là maintenant, Dieu ne pouvait pas résister. Parce que la vapeur est montée. Parce que les cris sont tombés entre les oreilles de l'Éternel et la pluie, où les ossements de leur prière s'est effectué. C'est là le Seigneur, il a pris corps, il est descendu. Parce qu'il y a le manque, il y a la mort. D'abord, la pluie ne tombe pas. Celui qui va garder la terre, l'homme là n'existe pas. Donc, ces deux raisons continuent de périr spirituellement. Donc, il faut que Dieu descende pour être celui-là qui est digne de garder le jardin, l'Éden, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, soit cette personne-là qui est digne de garder le jardin et en même temps la personne qui provoque la pluie. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus est venu, il a dit dans le livre de Jean, chapitre 7, le verset 38, Jean. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Comme dit l'Écriture. Gloire à Jésus. Donc, Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront. Cette personne, celui qui va croire en Jésus, des fleuves d'eau sortiront de lui. Jésus va dire dans le livre de Jean 4, 14, il dit, je suis la source d'eau vive. Donc, c'est lui qui est la source d'eau vive. Et c'est lui qui peut provoquer. Il est cette personne qui provoque la descente de pluie parce qu'il y avait la famine. Et comment, quand le Seigneur sort, toute la nuit, il est sur la montagne et il prie. La journée, il est dans les temples, dans les synagogues et il enseigne. Peuple de Dieu, parce qu'il y avait la famine. Cette famine, c'était, il n'y a pas la vie éternelle qui était sur la terre. La famine est que et l'herbe n'a pas encore poussé. Et quelle est cette herbe? Dans la révélation, l'herbe et les habits qui ne sont pas encore poussés, parce qu'il y a le manque, c'est qu'il n'y a pas la conversion. Gloire à Jésus. Il faut que celui qui convertit les cœurs vienne d'abord.
Celui qui convertit les vies vient d'abord. Celui qui convertit les cœurs, les vies, s'il ne vient pas, alors la famine de la vie éternelle, la famine de l'évangile, la famine de la puissance de Dieu va demeurer. Et quand cela va demeurer, alors la suite, c'est la mort. Gloire à Jésus. La mort éternelle, la vie éternelle. La vie éternelle, celui qui le donne, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Or, nous voyons dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 9, Jésus va dire, et Dieu va dire, tu mangeras à la sueur de ton front. Gloire à Jésus. Quand est-ce que Dieu est venu? Quand est-ce que cette parole a été annulée? Cette parole a été annulée quand la personne de notre Saint Jésus est venue. Comment? La Bible va nous dire dans Luc 22 que quand Jésus priait, il priait. Quand Jésus priait, il travaillait. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras le pain. Donc, quand Jésus priait, il travaillait. Et quand il travaillait, la sueur doit tomber. Et la sueur qui est tombée, la Bible dit que c'est des grumeaux du sang qui sont tombés. Les grumeaux du sang qui sont tombés viennent annuler la malédiction que Dieu a lâchée sur la terre en ce jour. Et quand ce sang est tombé sur la terre, c'est pour détruire la puissance de cette parole que Dieu a prononcée. La Bible dit que si Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand Dieu ferme, personne ne peut l'ouvrir. Il est le seul qui peut l'ouvrir. Il est le seul qui peut fermer. Il est le seul qui peut maudire. Il est le seul qui peut bénir. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, voilà. C'est en ce moment, le Seigneur Jésus travaillait. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras le pain. Est-ce que le pain a été vraiment donné après que le sueur a coulé? Oui. Mais quand est-ce que le pain a été livré? C'est lorsqu'il a livré son corps. Lorsqu'il a livré sa vie. Il a donné sa vie. Sa vie, c'est le pain. Il dit, ceci est mon corps. Alors que c'est le pain autant pour moi. Il a été lui donné. Donc, après le travail, pendant le travail qui représente la prière, la vapeur doit monter. Après autant pour moi que les sueurs ont coulé comme le grumeau de sang, le pain doit venir. Et le pain qui a été livré, c'est la vie. Il a donné sa vie afin que toi et moi soyons sauvés. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, nous avons besoin de connaître ces choses. C'est très important pour toi et moi de connaître ces choses. Nous voyons également que selon les Écritures, quand le Seigneur Jésus est venu, je disais tantôt qu'il est digne de garder le jardin. Amen. Il est digne de garder maintenant le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que de la même manière que Adam a été formé par la poussière, ainsi, quand le Seigneur Jésus est venu, il est venu en tant que cette personne qui est digne de former l'Église. Gloire à Jésus. Former le peuple de Dieu afin de pouvoir garder maintenant le jardin. Gloire à Jésus. Donc le second Adam, qui est la personne de notre Saint Jésus, est venu pour que le jardin soit gardé, parce que le premier Adam n'a pas pu garder le jardin. Et comme il n'a pas pu garder le jardin, il faut que nécessairement quelqu'un vienne pour le remplacer. Et c'est le second Adam, qui est la personne de notre Seigneur Jésus, qui est venu
pour pouvoir garder le jardin. Gloire à Jésus. Donc, nous voyons ainsi par là que celui qui est venu donner la vie au jardin, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. C'est quand il est venu sans tâche, sans péché, que la pluie est tombée incessamment. Mais pour comment? C'est lorsque lui-même fléchit les genoux la nuit. La Bible dit toute la nuit, il est sur la montagne. Et toute la nuit, quand il est sur la montagne, c'est là maintenant il prie pour que le peuple de la pour que le peuple des nations accepte l'évangile. Il prie pour qu'il y ait la conversion. Il prie pour que la pluie de bénédiction. Il prie pour que la pluie de la conversion tombe. Et quand la pluie de la conversion tombe, c'est là maintenant les herbes qui représentent toi et moi, les abus qui représentent toi et moi, poussent maintenant suite à la puissance de l'évangile. Gloire à Jésus. Et c'est alors qui va être celui-là qui est digne de garder le jardin, de veiller sur les herbes, et ainsi il y a la nourriture, ainsi il y a la vie. Là où il y avait le manque, là où il y avait la famine, il y a désormais la vie. Et nous voyons que quand le Seigneur encore sur la terre, il va dire, je vous le dis en vérité, selon le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 51, il dit, je vous le dis en vérité, à partir de maintenant, les anges vont descendre et vont remonter. Gloire à Jésus. Il est en train de dire qu'il est la personne qui va restaurer la connexion de la vapeur que Adam a loupée au commencement. Parce que quand Dieu a créé le ciel et la terre, et que Dieu avait mis cette vapeur-là, cette vapeur symbolise le Christ. Symbolise en réalité l'Esprit de Dieu qui se mouvait. Et cette vapeur symbolise en réalité la puissance ou l'onction de la prière. Cette vapeur symbolise en réalité la connexion qui donne la possibilité à l'homme d'élever la voix vers le ciel. Cette vapeur symbolise également la connexion qui existe entre Dieu et Adam dans le temps. Et quand Adam est tombé dans le péché, il a quitté cette l'authenticité, autant pour moi, ou bien l'efficacité de cette connexion. Et il est parti. Donc quand le Seigneur Jésus disait cela, il avait annoncé à notre frère Jacob que Jacob a vu dans un songe. Et quand lui-même il est venu, il a entendu, à partir de maintenant, cette vapeur ne va pas cesser de monter. C'est-à-dire la prière ne va pas cesser de monter. Les ossements de la prière ne vont pas cesser de revenir. Les réponses de la prière ne vont pas cesser de venir. En d'autres termes, la pluie ne va pas cesser de tomber. Parce que désormais, celui qui est digne de garder le jardin, celui qui est digne de diriger le peuple de Dieu, celui qui est digne de cultiver, est là. Gloire à Jésus. Mon bien-aimé, tu es digne, pas en Jésus, par l'Esprit de Christ, de cultiver ta vie. Gloire à Jésus. Nous voyons que le Seigneur Jésus, la Bible va nous dire dans le livre de Hébreux 7, le verset 25, ceci, lisons. Hébreux 7, verset 25, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Amen. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. La Bible nous dit que notre Seigneur Jésus, son esprit est vivant et il intercède pour toi. Il a prié jusqu'à la mort. Et il intercède. Il a prié jusqu'à la mort. Et il continue de prier. Il continue de prier. De prier. Il continue de prier. Il continue d'élever la voix. La Bible dit qu'il est à la puissance de la droite de Dieu. Et il intercède en notre faveur. Il intercède en ta faveur. Pour que la pluie tombe. Mais il faut que tu provoques la vapeur. Il faut que tu dégages la chaleur. Pour charger les nuages de ta vie. Pour charger les nuages
afin que la pluie y ait. Parce que Dieu demain, la connexion y est. C'est pour cela qu'il a fait cette promesse à ses serviteurs, ses disciples. Et il a accompli qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous aide. Et le Saint-Esprit représente cette connexion permanente qui existait entre Dieu et Adam dans le temps. La connexion permanente qui existait entre toi et Dieu aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Mon bien-aimé, accroche-toi au Saint-Esprit. Mon bien-aimé, la vapeur, tu dois le produire. La vapeur. Pourquoi le Seigneur, pourquoi Dieu autant pour moi dans la loi a initié. Moi, je dis souvent que tout ce qui existe, et on nous appelle son nom, tout ce qui existe, dont nous entendons son nom, vraiment, même si c'est dans le spirituel, dans le physique, ça existe également. Pourquoi je dis ça? Nous voyons que dans la loi, Dieu a demandé au sacrificateur qu'on lui offre en sacrifice le foie, les graisses de l'agneau et d'autres choses. Et les graisses, le foie, et ces choses qu'on on brûle constituent maintenant l'odeur qui monte jusqu'aux cieux. Et c'est ça Dieu aimait. Ah bon? Donc ça veut dire que Dieu longtemps aime les graisses. Mais pourquoi Dieu aime les graisses? Nous disons que les graisses symbolisent physiquement la prière. Nous disons que les graisses symbolisent vraiment la connexion ou la puissance de la prière qui provoque la pluie, qui provoque l'exaucement des prières, qui garde Dieu en connexion avec nous les hommes. Peuple de Dieu, tu dois prier. Je passe par ici pour fortifier autant pour moi les intercesseurs de ce réveil. Les intercesseurs et les intercesseuses de ce réveil. Je fortifie tous ceux qui abandonnent vraiment le temps pour prier pour ce réveil. Vous montez la vapeur. Et la vapeur que vous montez, je vous le dis, vous n'allez pas en manquer ces récompenses. Car il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Lisons. 1 Corinthiens 3, le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Mm-hmm. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alléluia. La Bible dit que vous êtes le champ de Dieu. Et c'est dans le champ de Dieu que la pluie doit venir pour arroser le champ de Dieu. Mon bien-aimé, j'aimerais te dire, quand Jésus disait, ma maison sera un lieu de prière. Mon bien-aimé, ça veut dire que le lieu de prière que tu es, le temple de Dieu que tu es, la vapeur doit monter. Ton corps est un lieu de vapeur, est un lieu de producteur de chaleur. Ton corps doit lâcher de chaleur, doit provoquer de vapeur pour charger les nuages. Et quand les nuages seront chargés, mon bien-aimé, le champ de Dieu que nous sommes, l'église qui est le champ de Dieu que nous sommes, doit recevoir maintenant la pluie, doit recevoir maintenant l'exaucement des prières. La prière est la clé. Et le secret fondamental, c'est la foi. Il faut que la foi accompagne la prière. Gloire à Jésus. Si tu es déjà vraiment faible, si tu es déjà à terre et tu vois que tu n'as plus la force, mon bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas une position où on va dire que c'est cette position qu'il faut avoir forcément avant de prier. Nous allons voir que Jacob, même dans sa vieillesse, avant de quitter sur la terre, quand il a fini de prier avec et Manassé avec son second, la Bible dit, il a prié. Et quand il a fini de prier, il est parti. Jésus à la croix, qui est le restaurateur de la connexion entre Dieu et nous, l'Église, qui formons le jardin aujourd'hui, il a prié. Il a dit, Seigneur, pardonne-les parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Il priait jusqu'à la mort. Et enfin,
La terre qui a été maudite par ce que Dieu a déclaré, il faut que la terre qui ne devait pas produire le fruit, ou bien et les, voilà les fruits tels que cela se devait, il faut que maintenant la terre soit vivifiée parce que la terre a reçu des malédictions. Et la malédiction que la terre a reçue est que la mort va frapper la terre. Parce que quand la terre ne va pas produire son fruit, alors c'est la mort qui frappe ainsi la terre. Donc, tous ceux qui ont pris par la loi et ont été ensevelis représentent ainsi ceux qui ont été touchés par la malédiction de Dieu. Gloire à Jésus, tout retournera à la poussière. Donc, nous voyons que quand le Saint Jésus est venu à sa mort, c'est là maintenant la terre a été vivifiée pour que ceux qui étaient ensevelis sous la loi, ceux qui étaient frappés par la malédiction de Dieu en ce, depuis la création, sortent maintenant et reviennent à la vie. Mais il faut que la terre boive le sang. Il faut que la terre boive le sang qui vivifie la terre. Donc, quand le sang de Jésus a touché le sol, alors la terre a été vivifiée. La Bible va nous dire dans le livre de Matthieu 27, le verset 51 jusqu'à 56, que les sépulcres sont fendus, les morts sont sortis. Gloire à Jésus. Voilà. Ainsi la terre a été vivifiée. Gloire à Jésus. Donc, toi qui es déjà fatigué, toi qui vois, tu sens le blocage à gauche et à droite, j'aimerais te dire, lève-toi dans la prière. C'est parce que tu ne provoques pas la chaleur dans ta vie. C'est pour cela, Jésus va donner un exemple d'une veuve avec un juge dans le livre de Luc 18, le verset 1er à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Amen. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Amen. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Et Dieu ne fera justice pas à ses élus qui crient à lui, jour et nuit. Jour et nuit. Et t'adora-t-il à leur égard? T'adora-t-il à ton égard? Je vous le dis. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Il te fera promptement justice quand tu viens à l'Éternel. Quand tu viens à Jésus. Quand tu provoques la vapeur. Quand tu lâches la vapeur. Quand tu charges les nuages. Je dis, il sera obligé. Parce que c'est pour lui un parfum de bonne odeur. Pour lui, c'est ce que lui il aime en holocauste. Pour lui, tu es en train de brûler les graisses qui sont en toi. Pour lui, l'odeur des graisses que tu es en train de brûler en toi doit vous monter vers lui. Et la pluie sera provoquée dans ce domaine de ta vie. Mon bien-aimé, il y a de l'espérance pour toi. Abby dit, cette veuve ne cesse pas d'aller vers ce juge. Ne cesse pas d'aller vers ce juge. Et elle allait vers ce juge jour et de temps en temps. Incessamment, ce juge qui ne craignait pas Dieu. Nous disons que ce juge est un païen. À un moment donné, lui-même, il a réfléchi. Il dit, non, si je ne parle pas, si je ne réponds pas à cette dame, peut-être un jour, elle peut m'enlever la tête. Et c'est là que Jésus va dire. Il dit, si ce juge a pu obéir à la demande de cette femme, comment Dieu, comment lui-même ne va pas nous faire la justice?
Il va agir à notre égard. Mon bien-aimé, c'est une promesse que Dieu a faite pour toi. C'est une promesse que Dieu a faite pour nous tous. C'est une promesse que Dieu a faite pour l'Église. Peuple de Dieu, c'est très important. Nous devons lever dans la prière. Nous devons nous lever dans la prière. Nous devons prier. Nous devons provoquer vraiment la pluie, pas la chaleur qui est en nous. Assez, nous avons dormi. Assez, nous, tu somnoles. Assez, tu te plains seulement parce que tu sens la sécheresse dans l'un des domaines de ta vie. L'Éternel me charge de te dire, le moment est arrivé pour que tu te lèves dans la prière, pour que la vapeur monte, pour que la vapeur monte. Tu dois monter la vapeur pour provoquer la pluie au nom de Jésus. Lisons maintenant le livre de Matthieu 24, le verset 20. Matthieu 24, verset 20. La puissance de la vapeur qui provoque la pluie, qui change les temps et les circonstances. Je lis au nom de Jésus. Amen. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Vous voyez, la Bible a été claire. La Bible va dire, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Peuple de Dieu, ce que moi je comprends par ce passage, Dieu est en train de, le Seigneur autant pour moi, est en train de prophétiser. Il dit, ça peut arriver en hiver. C'est-à-dire, votre fuite peut arriver en hiver. Il a bien précisé, la fuite arrivera en hiver. Alors, maintenant il dit, vous avez la capacité de prier pour changer ce temps. Vous avez la capacité de provoquer la vapeur. Et quand la pluie va tomber, les temps seront modifiés. Mon bien-aimé, le temps de ta vie sera modifié quand tu vas prier. Il dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Donc, ça veut dire que quand nous allons prier, ça ne sera plus en hiver que la fuite arrivera. Vous voyez bien? Donc, ça veut dire que par la prière, nous pouvons changer les temps et les circonstances. C'est par la prière que tu peux changer les temps et les circonstances de ta vie. Longtemps, tu as demeuré dans la faiblesse. Par la prière, mon bien-aimé, tu auras la force. Et pour finir, nous allons lire le livre de Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Abbé dit, faites en tout temps, autant pour moi, par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Mon bien-aimé, le Seigneur prie par l'esprit. Prie par l'esprit. Tu peux prier à tout moment, là où tu es. Tu es debout, tu dors, tu pries. Prie. Tu es assis haut, prie. Tu es quelque part haut, prie. Prie en tout temps par l'esprit. Et prie aussi pour l'église. Prie pour le réveil. Prie pour ta vie. Prie pour ta situation et modifie, change les. La Bible dit que Dieu est le. Il est Dieu des temps et des circonstances. Ce que Daniel a dit. Ta prière change les temps et les circonstances. C'est très important. La Bible dit, prions en tout temps par l'esprit. Nous devons prier en tout temps. Et quand tu vas prier en tout temps, qu'est-ce qui va te passer? Gloire à Jésus. Lisons maintenant le livre de Ésaïe 27, verset 2. Celui qui prie en tout temps par l'esprit, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne.
Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. Alléluia. De peur qu'on ne l'attaque nuit et jour, je la garde. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui comprend ce que je comprends? La Bible dit, en ce jour-là, en ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, nuit, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Ça veut dire, quand, à chaque instant, quand tu pries, la vapeur monte. Et quand la vapeur monte, la bénédiction doit venir. La pluie doit tomber. Et quand la pluie tombe, ta vigne est arrosée. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Quand tu pries, la Bible dit, à chaque instant, l'Éternel dit, je l'arrose. Je serai le gardien de ta vie spirituelle. Je serai le gardien de ta vie. Je serai le gardien de ton âme. Je serai le gardien de tous les domaines de ta vie. Il dit, je l'arrose parce que tu provoques la vapeur. Parce que tu provoques la vapeur. Parce que tu provoques la pluie. Tu produis la vapeur pour que la pluie tombe. L'Éternel dit, il dit, moi l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. Ah bon? Lui, il dit, je l'arrose à chaque instant. Il veut arroser. Il veut arroser ta vigne. Il veut arroser les domaines de ta vie. Mais si tu lâches, il a dit à chaque instant. Ça veut dire, si tu lâches, ça veut dire que le moment où tu te reposes, là tu sens la sécheresse, tu vas encore commencer par sentir. Mais quand tu vas prendre encore le relais, il va commencer par arroser. C'est toi qui vas produire la chaleur. C'est toi qui vas provoquer la pluie sur ta vie. Et le Seigneur est prêt pour être le gardien de ce qu'il est en train d'arroser dans ta vie, dans l'un des domaines de ta vie, pour être le gardien de celui qui arrose. Et quand il va arroser, c'est là que les abus vont pousser. Les fruits vont pousser. Et quand les fruits vont pousser, alors il n'y en aura plus la famine. Il n'y en aura plus le manque. Il n'y en aura plus la mort. Il y en aura désormais la vie. Gloire à Jésus. Et tu seras une source de bénédiction. Gloire à Jésus. Nous voici, nous sommes presque à la fin. Nous allons lire le livre de Psaume 147, le verset 8. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Alléluia. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Amen. Le verset 9. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau, quand il crie. Gloire à Jésus. Donc nous voyons que l'Éternel Dieu, il dit, il fait pleuvoir, même sur la montagne. Toi qui dis que non, j'ai déjà prié jusqu'à fatiguer, mais je ne sens pas de changement. Je ne vois pas de changement, mon bien-aimé. Je ne vois pas de changement. Le changement se trouve chez toi. Le changement se trouve chez toi. La dimension de ta prière doit aussi modifier. Parce que pour cela, il dit, il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Peuple de Dieu, c'est toi qui vas faire monter la vapeur. Et les nuages vont seront remplis maintenant de la pluie. Et quand ça va remplir de la pluie, les nuages vont lâcher la pluie. Les nuages vont lâcher la pluie sur toi. Et tu vas donner des fruits. Les domaines de ta vie vont fleurir. Les domaines de ta vie vont donner son fruit. C'est très important. Il couvre les cieux de nuages. C'est toi qui vas couvrir. C'est toi qui vas couvrir autant pour moi les cieux de nuages. Ce n'est pas Dieu qui va le faire à ta place. C'est toi, par la vapeur, par la prière, tu vas couvrir les cieux par les nuages. Et il prépare la pluie pour la terre. Quand la vapeur va monter, quand la chaleur va monter,
les nuages sont remplis que de l'eau. Et ton âme, ta vie, le domaine de ta vie va recevoir la pluie en son temps. Parce que tu es cet homme-là qui est là et tu es en train de vouloir cultiver. Il faut que la pluie vienne. C'est pour cela. Le Seigneur va dire et il fait germer l'herbe sur les montagnes. Là où tu sens la sécheresse. Quand on dit la montagne, c'est là où il n'y a pas. L'eau ne peut pas pousser. L'eau ne peut pas. Et les herbes ne peuvent pas, autant pour moi, pousser. Sur la montagne. Mais parce que la vapeur est montée, parce que les nuages sont chargés, parce que la pluie sera tombée. Ça ne dit pas conséquent. Même les montagnes, là où tu as vu que c'est dur. On a prié pour moi jusqu'à. C'est toi maintenant, le Seigneur veut que toi maintenant tu élèves ta voix. Élève ta voix. Je ne dis pas que prier ensemble, que c'est mauvais. Nous pouvons prier ensemble. Et quand on prie ensemble, ou bien quand tu invites les gens, prie ensemble avec toi. La vapeur monte encore davantage. C'est pour cela que Daniel va amener ses frères, ses amis, pour aller prier, pour que Dieu lui révèle le songe que le roi Nebuchadnezzar a eu. Nous voyons ici que la présence et la relation de Daniel avec Dieu a fait que même le roi Nebuchadnezzar a eu des songes. Sa présence était importante, mais c'est à cause de sa prière continuelle que la pluie des songes a eu lieu dans le palais de Babylone. Il vient à Babylone, dans le palais du roi Nebuchadnezzar. Donc, mon bien-aimé, voilà un peu l'enseignement dont le thème est la puissance de la vapeur qui provoque la pluie, qui change les temps et les circonstances. C'est un message très important que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Et nous avons dit que la vapeur symbolise l'esprit de la prière depuis la création. Nous avons dit également que la vapeur symbolise la prière. La vapeur symbolise également les graisses que brûlait dans la loi qui donne de bonnes odeurs pour provoquer les ossements de la prière. Nous avons dit la vapeur symbolise également l'homme qui devait rester constamment devant le Seigneur pour lui parler. Et quand il va lui parler, cette vapeur va déclencher le chargement des nuages. Nous avons dit que celui qui est digne de garder le jardin, c'était le Seigneur, le second Adam. Nous avons également dit que la pluie symbolise les ossements de la prière, symbolise la parole qui t'est faite chère, symbolise la personne de notre Seigneur Jésus. Nous avons dit que la pluie représente également l'onction du Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. Nous avons aussi dit que le sang de Jésus qui a coulé à la croix, c'est ce sang qui a vivifié la terre. Et le travail que Dieu a dit en disant dans le livre de Genèse 3, 19, tu mangeras à la sueur de ton front, que cette malédiction qui a été lâchée, le travail en réalité représente la prière que le Seigneur Jésus faisait. Et quand il a travaillé, la sueur qui a coulé, c'était les grumeaux du sang. Et nous avons aussi dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Toi, tu gagnes le pain à la sueur de ton front. Ce pain représente la vie de notre Seigneur Jésus. Quand il s'est donné
à nous pour que nous soyons sauvés. Nous avons aussi dit que quand le Seigneur Jésus est venu, il fut celui-là qui est venu et parler de l'évangile. Et quand il est venu parler de l'évangile, il était la pluie qui est en train de pleuvoir sur la terre. Il est en train d'arroser la terre. Et quand il est en train d'arroser la terre, les non-convertis ont reçu l'évangile. Et quand ils ont reçu l'évangile, ils symbolisent spirituellement, ou bien dans la révélation, autant pour moi, des herbes qui ont poussé, des abus qui ont poussé. Gloire à Jésus. Et nous disons que l'Église forme les herbes, forme les abus. Ainsi, nous tous, nous sommes pour Dieu ce jardin que Jésus est dit de garder et aussi de cultiver. Nous avons aussi dit que le Saint-Esprit aujourd'hui est la vapeur qui arrosait le jardin à la création que le Seigneur Jésus est venu établir, restaurer, afin que à tout moment, l'Église soit arrosée. L'Église soit en connexion avec Dieu. Peuple de Dieu, voilà un peu le développement, ou en résumé de notre développement. Nous bénissons le Seigneur Jésus que ce message, cette parole, vraiment vous fasse du bien. Que ce message, que par ce message, ta vie spirituelle, dans le domaine où tu sens la sécheresse, la famine reçoit maintenant la puissance et le feu au nom de Jésus. Et nous disons à la fin, prions sans cesse. Prions sans cesse. Tu dois prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. L'Église doit prier sans cesse afin que notre relation avec le Seigneur demeure. Sur ces mots, nous allons prier et recommander ce message entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour cet enseignement. Merci Seigneur Jésus, parce que ta pensée a été communiquée. Et ta parole qui a été communiquée, je prie maintenant que ta puissance accompagne ta parole. Je prie maintenant que ta puissance, Seigneur Jésus, réveille les vies qui somnolent. Les vies, Seigneur Jésus, oh, qui tarient. Les vies qui, papa, ressentent le manque, la famine, la mort. Seigneur Jésus, je prie que la vapeur, maintenant, que je suis en train de produire, que je suis en train de lâcher, Seigneur Jésus, oh, provoque la pluie sur la vie, provoque la pluie sur la vie, provoque la pluie de bénédiction sur la vie, provoque la pluie sur la vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie maintenant que Seigneur, toutes les vies, que toutes les personnes qui vont écouter cet enseignement dans le nom de Jésus, papa, qui reçoit, c'est pas un zèle de la prière au nom de Jésus, que la vie de la prière, Seigneur Jésus, soit activée, Seigneur, sur chacun d'eux, dans la vie, au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant, papa, que tu libères les vies, papa, qui sont dans les liens, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je prie que par cet enseignement, Seigneur Jésus, cette personne qui a perdu l'espoir il y a longtemps, parce qu'il a beaucoup prié, Seigneur Jésus, oui, il n'a pas reçu les ossements. Seigneur Jésus, je prie, papa, soutiens-le. Seigneur, tu fais chaque chose à son temps. Certainement, c'est le temps où, Seigneur Jésus, tu vas l'aider à avoir. Parce qu'à un moment donné, il est fatigué. Il a dit, il a prié, il est fatigué. Seigneur Jésus, alors ce que toi, tu nous recommandes, c'est de prier continuellement. De faire comme le centenier Corneille. Il priait continuellement et il faisait aussi des aumônes. De la même manière que Anne voulait avoir un enfant. Elle demandait un enfant et elle n'a pas encore trouvé.
Elle continue à prier. Elle continue à prier. Elle continue à prier. Et elle priait. À un moment donné, elle a fait un vœu. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, voici, je vais te le laisser. Seigneur Jésus, apprends tes serviteurs. Apprends tes servantes. Seigneur Jésus, oui, à te faire des vœux. Parce que quand on te fait des vœux, tu vois que cela va dans ton avantage. Cela va dans ta volonté. Et papa, tu es obligé de donner. Je prie, papa, que ceux qui vont venir à toi pour faire des vœux, Seigneur Jésus, sincèrement de leur cœur, papa, accorde-les au nom puissant de Jésus. Seigneur, exauce-les au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je prie, papa, ceux qui vont accompagner leur prière par des offrandes, par des actions de grâce, je prie, Seigneur Jésus, que tu les agrées au nom puissant de Jésus. Tu nous as donné l'exemple de Caïn et Abel, Seigneur Jésus. Oui, Abel a donné, Seigneur Jésus, oui, avec ton âme. Il a donné la grâce, Seigneur Jésus, que tu aimes. Je prie, papa. Et celui qui donne la grâce, c'est celui qui a la vie de prière. Oh, toi, tu agrées les enfants de celui qui a une vie de prière, mais celui qui est charnel, celui qui est faible, Seigneur Jésus, ses enfants ne montent pas vers toi. Je prie, papa, que tu les apprennes à avoir une vie de prière, à provoquer la vapeur, Seigneur Jésus, afin que cette vapeur, Seigneur Jésus, oui, charge les nuages dans le nom puissant de Jésus. Afin que la pluie, Seigneur Jésus, là tu la vis. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, merci. Que ton nom soit béni. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Merci Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour ce moment. Amen.